Certains font des one man show, Nelson. Ici on a Cyril, véritable geek, qui est tout le temps sur internet et lui fait des web man show. Alors, Cyril, C'est pas mal trouvé ça. Ah oui, non, mais évidemment, je le sais. Il y a eu toute une réunion pour trouver le titre en fait. En tout cas, dis-nous, Cyril, est-ce que Nelson est sur la toile aujourd'hui? Mais absolument. Nelson, vous le savez, comme de nombreuses autres personnalités, vous avez droit à votre marionnette au Guignol de l'Info. Une marionnette qui parle très très bien anglais. Oui. Et d'ailleurs, je propose qu'on écoute un petit extrait. Quelle déception, what a déception. J'étais réveillé ce matin par cette triste nouvelle. Wake me up before you go go. Je suis complètement abattu. I am completely broke back mountain. Nelson, c'est pas sûr que Frédéric Bousquet se soit dopé. Il dit avoir utilisé un produit pour soigner ses hémorroïdes. Mais allons, Patrick, mais ouvrez les yeux. Please open your eyes. Fred Bousquet chargé comme une mule. Mais c'est évident. Donc c'est Nicolas Canteloup qui imite votre voix, et vous avez même déclaré qu'avec le temps c'est devenu un ami, enfin vous... Et il aime bien votre voix, et il l'utilise assez régulièrement dans ses spectacles, quand on va l'écouter à l'instant. Ouais, écoutez ici Nelson Montfort. Je suis en direct de Pékin, en direct des Jeux Olympiques de Pékin, et live from the rouleau de printemps city. Je suis entouré, comme vous le voyez ici, de tous les gens du village olympique, all the village people. Il y a bien sûr ici tous les athlètes français, all the French losers. Mais Nelson, il n'y a pas besoin de Canteloup pour faire rire, puisque vous l'avez dit vous-même il y a quelques minutes, vous êtes adepte de l'autodérision, et vous nous l'aviez prouvé, lorsque vous aviez joué avec d'autres animateurs de France Télévisions dans un sketch de Jean-Luc Lemoyne. Où vous étiez au AA, aux animateurs anonymes, qui n'arrivaient plus à décrocher de leur particularité. On avait par exemple Christophe Andelade qui restait toujours avec son blouson en cuir, même sous la plage, et on va écouter votre prestation. Nelson, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un sac tout à fait charmant, mon cher Jean-Luc. It is a very charming bag, my dear Jean-Luc. Non, Nelson, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Tu dois arrêter de tout traduire. Arrêter ? Tu es sûr ? To stop, are you sure? Oui, tu perds beaucoup trop de temps dans la conversation et ça finit par énerver tout le monde. Tu exagères un peu, you exaggerate just a little bit. Non, Nelson, tu ne te rends pas compte, mais même Philippe Candeloro, tu le traduis. Bon, oui, c'est un mauvais exemple parce que des fois c'est nécessaire, mais tu dois te contrôler.